À Décalogue, il fait l'élève aux ancêtres. Karine Lebon, 37 ans dans un mois, députée de La Réunion. Et t'en as aussi midi du gâteau de vélo. Député, c'est assez fatigant, je dois dire, effectivement, parce qu'on a on travaille tous les jours. Finalement, c'est jamais fini, la tâche est jamais terminée. C'est la même chose quand on est militante associative. Donc l'un comme l'autre, du moment qu'on fait son travail vraiment avec cœur et avec conviction, c'est éreintant, mais c'est passionnant. Eh, mais à l'Assemblée, il jouait pas, hein. Il bataille. Ouais, mais il bataille. Il bataille pour avoir des droits pour les Réunionnaises et les Réunionnais. On n'est pas en train de jouer, quoi. C'est sérieux. Première chose, je crois que j'ai été écrasée par le poids de l'histoire. L'Assemblée nationale, c'est un décor avec des colonnes, avec des tapisseries, des gravures, des machins. Enfin, c'est un palais historique. Tout de suite après, ma rencontre avec Marie-Georges Buffet, j'étais comme une petite fille, je dis « Bonjour madame, je suis très honorée de vous rencontrer. » Et elle qui me dit « Non mais arrête, on est dans le même groupe, on va travailler ensemble. » Alors, tout de suite, ce que je retiens, c'est avoir réussi à faire reconnaître l'inceste comme délit autonome dans le code pénal. Les violences sexuelles faites aux enfants, c'était un sujet tabou. Et aujourd'hui, on a réussi enfin à mettre ce sujet sur le devant de la table, à dire enfin non, il n'y a pas d'impunité, et non, il n'y a pas de consentement avant 15 ans, et non, l'inceste, de toute façon, c'est un crime. L'un et l'autre, c'est déjà pas mal. Ce serait pas mal, l'un et l'autre. Bon, m'y adore les carrés que m'y prend avec Huguette Bello, à la région ou ailleurs. Hein, voilà, c'est toujours un plaisir et c'est toujours sans façon. C'est peut-être ça que m'y préfère. Emmanuel Macron, jupitérien. Huguette Bello, courageuse. Et Jean-Luc Mélenchon, premier ministrable. Bon, mon plat préféré vraiment, hein, c'est peut-être qu'il trouve plus beaucoup, il est un petit peu rare, mais c'est les gâteaux frites, évidemment, l'arbre de gâteaux frites. Sinon, curry poulet moment, les en top position. Quand elle est off actuellement, c'est peut-être aller voir une pièce, aller voir un film, regarder Netflix, bon. Et lire un bon livre, un polar surtout, j'aime bien le polar. Le dernier livre, c'est Musso, Guillaume Musso, Un appartement à Paris, c'est un polar. Maloya, on veut m'y chante? Non, mais pense pas. Non, il faut savoir, hein, ses atouts, ses faiblesses. Bah, la chanson, c'est une de mes faiblesses. Mais par contre, m'y postite à ou plusieurs Maloya, si c'est ça tout veut. Hein. À Décalogue, par exemple, ça c'est un affaire. J'élève mes convictions, voilà. À Décalogue, paye pas. C'est vraiment la déconnexion entre. Mais ça que m'y reproche en fait aujourd'hui, c'est la déconnexion entre Paris et les dossiers et la réalité de terrain. Et à Décalogue, il fait l'élève aux ancêtres. À La Réunion, allez Jean-Luc Grattenon. Il est très nature et voilà, ça change, c'est frais, c'est rafraîchissant. Moi, ça me plaît beaucoup. Mon objet fétiche, bah en ce moment, c'est mon téléphone. C'est celui qui est greffé à mon bras, c'est le prolongement de mon bras. Voilà, c'est un petit peu difficile de décrocher. Sinon, de manière générale, mon objet fétiche, j'en ai pas vraiment, parce que je suis pas tellement attachée aux objets, mais plutôt aux gens. Tiens, un beau largue pas. Ça, je le dis tout le temps, et c'est vraiment ce que je pense, c'est que parfois il est difficile, hein, et il peut pas dire tous les jours il est facile, mais par contre, nous tient un beau, nous l'avons pas, on a de bonnes chances d'y arriver. Voilà. Cette question est très drôle. Il dépend quel dinosaure, parce que avec les méthodes de dinosaures,
Ça, oui, moi, est pour. Vraiment. Après, l'expérience, c'est pas forcément quelque chose qui est condamnable. Avoir quelqu'un d'expérimenté, je trouve que c'est parfois un gage de confiance. Par contre, les mêmes vieilles méthodes de dinosaures, ça non. Et c'est pour ça qu'il faut renverser la table et appeler à une 6e République, à une révocabilité des élus, à l'exemplarité des élus, l'inéligibilité à vie des élus qui ont été condamnés pour détournement de fonds, qu'à confondre l'argent public avec Zot Poche. Ça, voilà, ça je suis pour. Si vous ne vous intéressez pas à la politique s'intéressera à vous. Et c'est important de choisir ses représentants. Les femmes ont eu le droit de vote il y a 76 ans. Aujourd'hui, il est difficile pour moi, quand il y a autant de monde, il dit « mais ça a pu voter ». C'est combien de nos ancêtres la perdent la vie pour gagner ce droit-là? Et comment aujourd'hui nous peut être aussi déçus et déboussolés par rapport au paysage politique qu'on est là? Enfin, moi-même, ça va à la rencontre des gens sur le terrain. Parce que vraiment, pour moi, c'est important de comprendre aussi pourquoi il y a ce désamour des urnes. Et puis essayer d'apporter des réponses, mais d'abord écouter.